Si vous voulez venir me rencontrer, avoir des dédicaces, passer un petit moment avec moi, je vous invite au Parc Chano le 9 et le 10 novembre, j'y serai samedi et dimanche. Donc venez nombreux et nombreuses, on vous attend. Le Hero Festival, c'est le 9 et le 10 novembre au Parc Chano. Ciao. Salut Internet, c'est Kamoff, en chair et en off, j'espère que vous allez bien. J'aimerais juste que vous me dites ce que ça fait de me voir à la caméra et moi en train de vous voir à vous. Pour une fois, je vous regarde droit dans les yeux et je peux vous voir, les gars. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que toute votre famille va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. On va aller récupérer un animal qui est maltraité chez une personne. En fait, je vous explique. En gros, on a été contacté par le fils d'une personne. Et parce que son père maltraite un animal. Donc, il a dénoncé son père. Il ne veut pas qu'on dise que c'est lui, tout ça. Donc là, on va aller directement chez lui. Et on va... essayer de lui faire entendre raison et de lui retirer l'animal. C'est un chien, c'est un petit chien en plus, c'est un petit chihuahua qui dort sur le balcon 24h sur 24, qui est juste là pour faire des portées, qui a aucune attention, il fait ses besoins sur le balcon, enfin c'est vraiment du n'importe quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à l'endroit et on va voir si on arrive à récupérer le chien. Même s'il faut payer, on le récupérera. Moi, je comprends pas les gens qui prennent un animal pour les laisser sur le balcon, pas s'en occuper et juste faire des portées et en gros gagner de l'argent, tirer profit avec les animaux. Parce que moi, pour moi, quand tu prends un animal, c'est parce que tu l'aimes. Si après tu veux faire une portée, c'est une chose, mais faire ça pour l'argent, je trouve ça dégueulasse. Les gars, c'est pour ça que j'ai pris les lunettes avec moi, parce que les lunettes, je peux filmer en caméra discrète. C'est-à-dire que si je viens avec la grosse caméra et tout, le mec, qu'est-ce qu'il va me dire? Ouais, pourquoi vous venez avec des caméras, tatati, tatata. Et moi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes à cause de ça. Je crois que c'est des œufs. Sa mère, hein? Oui, il en a envoyé 3-4 en plus. Eh, t'as entendu? Tac, tac, tac! Ouais. Attends. Puis c'était. Ah, gros, le. Ah, le de sa mère! Ah, j'en ai sur les mains et tout. Ah, c'est bon. Allez, tu vois, cette vie là, je peux plus, j'arrive plus. J'arrive plus, cette vie. T'as des mouchoirs, quelque chose? Pourquoi on me lance des œufs? Tu m'expliques? Je sais pas, gros, je sais pas, c'est qui? Je sais pas. J'en sais rien de qui c'est, frérot. Je sais pas qui c'est. Je sais pas. Fils de p'ta. Tu sais qu'en plus c'est galère à partir ça. Tu le sais, ça nique la carrosserie et tous les autres. Eh ouais. C'est où? D'où c'est venu? De ce côté-là? Ça venait d'où? De là? Le mec il doit être planqué là. Hein. Ah mais il doit être vers là. Mais il y a une bouteille d'eau et tout. Mais... être là. Oh! Viens! Oh, il part là trop vite! Viens, on prend la voiture, on prend la voiture, on le fait en voiture, vas-y, viens vite, vite, vite! Lui, si je l'attrape, frérot. Il était habillé comment sur la vidéo? En gris? En gris, vert. Pourquoi? J'ai fait quoi? Dis-moi, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que le mec il me lance des œufs, frère? C'est une chimère d'eux, ça. Des jeunes. T'inquiète. On va voir si moi il me lance des. Si il veut, moi il va me lancer des œufs. Il cavale, hein. Il doit avoir l'habitude, frérot. Vas-y, on va essayer de l'attraper, de le voir, déjà de le retrouver. Si on le retrouve, on refilme. Comme ça, on va lui montrer une bonne leçon. Et là, on lui donne une bonne leçon si on le retrouve. Il va me laver la voiture. Je te le dis, il va me laver la voiture. Là, il y a un mec qui court. Est-ce que c'est lui? Dis-moi si c'est lui sur la caméra. Ah oui, c'est lui. C'est sûr, c'est lui. C'est lui? Ouais. Certain? Sûr, sûr. Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ah, viens si tu es un homme, viens. Viens si tu es un homme. Oh, viens si tu es un homme, viens. Ne pars pas en courant, viens si tu es un homme, trou du. Alex, vas-y, viens. Il va pas courir 20 ans, je te le dis. Ça y est. Il est à pied, cet abruti. Il croyait qu'on n'allait pas le suivre. Moi, je m'en bats les. Même si j'ai des œufs sur la voiture, je le suis. Il y a plein de gens. En fait, à mon avis, les gens ils doivent s'arrêter, nettoyer leur voiture, tu as vu. Et lui, il doit se tailler. Moi, je m'en fous de la voiture. C'est du matériel, frère. Par contre, pour son geste, je vais le faire regretter. Ah c'est... non, c'est pas lui. C'est pas lui là-bas. Non. Mais il est là. Ah poteau! Arrête-toi parce que je vais descendre. Tu crois que tu vas courir jusqu'à où comme ça? Arrête-toi. Lâche-toi, s'il te plaît, Alex. Arrête-toi.
Ça t'amuse de jeter des œufs? Ça t'amuse de jeter des œufs? Viens, viens. T'as quel âge? 18 ans. Viens. Viens. Tu croyais que tu allais courir jusqu'à où? Comme ça, tu crois qu'on allait faire le marathon? Hein? Regarde ce que tu as fait. Regarde la merde que tu as fait. Je me suis trompé de personne. Tu prends pour un con? Je me suis trompé de personne. C'était un con. Mais tu vas nettoyer. C'est logique. Je vais nettoyer. T'as compris? Oh. Comment ça? Je rigole pas avec toi. Il est gifle devant tout le monde, tu as compris? Viens, on va parler, viens. Viens, on va parler. On va là-bas. T'as pas sur ma voiture déjà. T'as pas sur ma voiture, viens, on va là-bas. Viens, on va là-bas. Viens, partir en cavale. Non, je vais pas partir. Tu peux pas aller à ta voiture. Oh, arrête de faire le nerveux par contre. Ça va, je t'ai jeté. Pourquoi tu fais ça? Mais à quel moment tu as déçu sur ma voiture, toi? Ah, je t'ai dit, je me suis trompé. Il y avait un collègue à moi, je lui ai fait une blague. Il a la même voiture que toi. Ouais, il est la même voiture que moi, tu me prends pour un con? Tu me prends pour un con là? Non, je te prends pas pour un con. Je dis que non. Ça va, on dirait que je t'ai jeté une pierre, arrête de faire le nerveux là. Mais comment? Nerveux, je te jette des œufs dessus moi, je fais quoi? Je t'ai fait des trucs comme ça, ou à quel moment tu sais que ça nique la carrosserie ça? Tu as des sous sur toi? Tu as quelque chose? Tu as de l'argent? Ouais, c'est de l'argent. Fais voir. Mais donne-moi la page. Ça va, j'ai carte bleue, fais voir si t'as ta carte bleue. Ça va, T'as rien, t'as pas de carte bleue, t'as pas d'habit, t'as rien. T'as pas de poche, t'as pas de sacoche, tu me prends pour un con? Donne-moi des sous maintenant. Ça va, après je te les donne, j'habite où? Non, mais je vais te donner mon adresse, comme ça tu me laisses sur la maison après. Et après, je suis obligé de te fracasser après. Eh non, hein? 18 ans, tiens. T'as 18 ans? Ouais, moi j'ai 32 ans. Frérot. Quoi? Imagine! C'est une vieille ou quoi? T'as pas honte, imagine, c'est quelqu'un qui s'est payé. Il y a des mouches et tout maintenant. Imagine, c'est quelqu'un qui a mis, je sais pas combien de temps, se payer une voiture, elle est neuve la voiture. Mais comme elle est, ma voiture. Ouais, c'est pas une voiture de merde, pour 60 000 euros ma voiture. Ça va, on va la laver. Eh ben, donne-moi des sous, donne-moi de la. Avec quoi? Avec mes. Je te donne des sous, je te les mets dans la boîte aux lettres. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es dans quel monde toi? Je te mettrai dans la boîte aux lettres. C'est en train de me gonfler, c'est en train de me gonfler, ça tombe toujours sur moi les actions comme ça, c'est un truc de fou. Écoute-moi, donne-moi des sous, sinon je te fais repartir pour aller, je te prends tes habits. Mais ça va, je t'ai fait pour Tony Montana ou quoi? Tu veux. Moi je te fais repartir en façon, moi. Oui, bien sûr, ça va. Tony Montana de Pomme de cul. Ça va, je t'ai dit, je vais te repayer le lavage. Pourquoi tu le prends de haut? T'es en tort, ferme ta gueule. Parce que c'est bon, je t'en fous pour des œufs. Mais t'es en tort, ferme-la. Ça va, pour des œufs, frérot, pour des œufs. Oh, redescends d'un étage, arrête de crier. Oh, ça va, ne crie pas. Ah, je t'ai dit, désolé, tu veux quoi de plus en fait? Tu veux quoi de plus? Je t'ai dit, je te repaye le lavage, c'est bon. Demande les sous maintenant. Pas lever la voix, je te le dis. Ça va, ça va. Non, y'a pas de ça va. Ça va, arrête. Comment ça va? Je me suis excusé, je me suis excusé. Tu veux quoi de plus? Ça va, je vais te donner les sous. Donne-moi ton adresse. Je m'en fous, je veux pas ma carte bleue, je vais te déshabiller. Comme de sa mère. Ta grand-mère là, fils de. Comme de sa mère. Tu vois? T'as pas un sopalin, un mouchoir. Comme de sa mère. Regarde dans tes poches, Alex. Il m'a mis du truc. Ah!